Et Yomina, c'est Dragan et on se retrouve pour cette fois-ci une vidéo sur Super Smash Bros. Et on va commencer le mode histoire ensemble, donc ce sera des sections de 20 minutes à 30 minutes pour pas faire ça trop long pour vous. Donc on va lancer le mode aventure, la lueur du monde. Bon bah on va mettre ça dans la première, donc on peut en faire plusieurs, donc ok. Alors ça sont relativement faibles, niveau correct et coriace. Bah, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué à Smash Bros et que je vais faire gaffe quand même, on va partir en normal. Mais sur ma vraie partie, quand je ferai le mode histoire, je la ferai en difficile. Mais là on va lancer en normal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Don't let a single one get away. Each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Yeah.
Et ben, la cinématique était magnifique. Était franchement magnificos. Donc on voit que Killer, avec son attaque, son assaut, a réussi à défoncer tous les héros, hormis Kirby, qui lui est carrément sorti. On dirait c'est comme s'il avait changé de monde. Oh putain, toute la carte. Oh, ça a l'air d'être gros. Oh, ça a l'air d'être énorme. Bon bah allez, contre Molosco fumant. Les esprits sont des êtres dont le corps a été volé par Killer, le maître de la lumière. Ils sont désormais sous le contrôle de leur conscience piégée par les copies des combattants. Lorsque vous battez une copie d'un combattant, vous secourez par la même occasion l'esprit qui était emprisonné. Essayez de secourir un maximum d'esprits. Les esprits primaires influent sur l'attaque et la défense pour renforcer vos combattants, c'est sur eux qu'il faut viser. Ok. Donc il y a les esprits primaires. D'accord. Et ben, en esprit, quand j'ai lancé le jeu, j'ai eu Wart. Donc on va mettre Wart, un des boss dans un Mario. Et j'ai pas d'esprit de soutien. D'accord. Et combattant, j'ai que Kirby. C'est ça? Ah ouais, je peux aller me faire foutre, j'ai que Kirby. Ok, bon, bah allons-y. Allons-y avec Kirby. On verra ce que ça va donner quand même. Comme ça au moins. Allez, donc là on est contre Mario. On va essayer de le défoncer. Voilà, j'ai pris son apparence. Kirby, de toute façon, de 1, il a pu esquiver l'attaque comme vous avez vu parce qu'il est sorti de, on dirait qu'il est sorti de, du monde où il a été autre part. Et en même temps, si Kirby est le seul à survivre, c'est parce qu'il a été conseillé. Ça a été dit dans une interview, je sais plus où, que si c'est Kirby qui a été mis en avant pour être joué dès le début. C'est parce que c'est un bon perso pour débutants. Voilà, tout simplement. Là, faudrait que j'arrive à l'éjecter quand il est en Mario normal. Voilà. Ah putain, mais il est de nouveau en métal. Là, faut que je l'éjecte. Voilà. Nickel. Donc là, on a débloqué Molosco fumant. Ok. On peut avoir un truc avec des pics. Ok, bon bah je trouve ça bien. Les esprits qui vous sauvez se joignent à vous. Chaque esprit est différent et peut vous aider à sa façon. Si un esprit primaire dispose d'une case libre, vous pouvez l'associer à un esprit de soutien. Les esprits de soutien disposent de talents spéciaux. N'hésitez pas à tous les expérimenter. Épée laser, saut à faible gravité, projection. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc en gros, on a l'esprit primaire, donc l'esprit principal, et ensuite qui peut être mis par des esprits de soutien, mais eux ne montent pas de niveau. Évoli. Bon bah go. Allons-y. Certains Pokémon peuvent sortir de la Pokéball. Oh, il a mal lancé son Évoli, vous avez vu? Son Évoli est tombé par terre. Allez, viens de ta gueule, dégage. Oh, tu vas pas me faire chier toi. Dégage. Le terrain, je l'aime bien avec le petit chomp. Il est beau. Ah, il m'a mis dans l'œuf, le bâtard. Allez, dégage. Nickel. Bon, bah, une U évolue. Et c'est un esprit primaire. Ok, et Wart monte de niveau. Bon, bah, cool. J'ai envie de dire, ça, c'est bien. Ça c'est vachement cool. Céleste. L'adversaire privilégie les attaques spéciales bas. Spécial bas, ça veut dire que Kirby va compter sur son attaque à la con où il va devoir être situé au-dessus de notre tête là. C'est ça? On va devoir faire vraiment gaffe alors. Voilà.
Voilà. On va devoir faire gaffe parce que il va être très chiant alors à cause de ça. Bon, on a Kirby qui peut se protéger du spécial bas. Mais ce serait chiant. Allez. C'est moi. C'est ça a marché ou c'est parce que je l'ai retiré? Oh, foiré. Bon bah on a eu Céleste hein. C'est vraiment cool ça. C'est vraiment bien. Donc je pense que la brume va se retirer. Ok. Ah Mario, it's me Mario. Les combattants ont servi à produire des copies d'eux-mêmes. En libérant les combattants originaux, vous en ferez des alliés. Ok. Donc en gros c'est pour débloquer le perso et l'avoir en formation. C'est à dire que je pourrais jouer autre chose que Kirby. Remporter la victoire pour secourir le combattant. Vas-y. T'inquiète pas. T'inquiète pas, hey Bibi. On va sauver. On va sauver Mario. Tagliatelle. Et sauver Mario. Tagliatelle. Allez, viens là. Non. Fais pas chier ton monde. Arrête de sauter. J'allais dire, il s'est suicidé. Mais non. Ah, bon fou, je vais te faire dégager maintenant. Ou après. Voilà. Allez. Mario fait son entrée. Bien, bien, bien. Bien tout ça. Vous pouvez changer le combattant sélectionné en sélectionnant dans formation, patati, patata. Ok. Et ça, c'est bien ça. Ah, ça, c'est bien. Gardien. Rob. Ah. J'ai trouvé un truc marqué PV. Smash d'endurance. Réduisez les PV de l'adversaire à 0. Ah c'est ça un smash endurance. C'est pour réduire les PV. Putain on est contre Rob. Et en plus putain lui j'arrive pas à le bouger. Gros porc. Rob le gros porc. Ah c'est bon on a réussi. Allez prends toi des coups. Allez. A l'aise. Easy GGS noob. Gardien. Bien ça. C'est un gardien de... Ah. Lui il utilise deux étoiles. Ça veut dire deux emplacements alors. C'est un gardien à deux emplacements. Ah chaud. Il y a un combattant à chaque extrémité dans l'intersection. Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier. Ouais. Bon bah les couilles. Ouais peut-être. Oh ta mère je te veux. Il existe 4 types d'attaque primaire. Attaque, défense, saisie et neutre. Les 3 premiers entretiennent le rapport de force suivant. Défense, attaque, saisie, défense. Ok. Bon bah on va sauver Mars hein. Allez go. Mars, je vais te sauver. Brouilla. Allez go. Montre-moi de quoi tu es capable Mars. Allez. Je t'ai piqué ta compétence. Mais je crois pas qu'elle me sera utile. Je suis en train de le violenter. C'est moi ou pendant son smash il peut bouger. Ah ouais. C'est abusé. Ah je comprends pourquoi c'est le perso de la facilité. Allez. Là je t'éjecte. Ah ta mère. M'en fous. Je t'éjecterai. Tu crois m'éjecter comme ça mon grand. T'as vu la Vierge Marie.
Et toi, rejoins mon équipe, connard. Merci, fais son entrée. Ouais, rapide. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a Mario et Mars. Utilisez les sphères de talent pour débloquer différentes capacités propres à ce mode. Pour cela, commencez par sélectionner Arbre de talent dans le menu. Ah, ça en fera plus tard, on fera l'épisode 2. C'est bon, si on y arrive comme ça, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, il a bloqué le passage, ça? Ah, l'enfoiré, je peux rien faire. Charlotte Hollin. Là, on a... là, maintenant, on va changer de perso. On va prendre Mars. Et je crois que maintenant, j'ai des esprits de soutien, non? Je crois que j'en ai. Esprit de soutien. Ouais, j'en ai. On va mettre le gardien qui tient deux emplacements, non? Résistant aux armes. On sait jamais. Allez, go. Elle privilégie les attaques spéciales de côté. Et un renfort arrive durant le combat. Ah d'accord, c'est ça les attaques spéciales de côté. En gros, ouais, mais t'aurais pu dire en français. On va affronter une Zelda qui arrête pas de spammer comme une grosse prostituée. Ça aurait été la même chose. Ou Zelda la tepu. Qui spamme comme une... comme une... pouf. Eh, vous... Mais toi, je vais t'en... Tu vas arrêter de spammer. Poufias. Toi, tu dégages. Et... vas-y, rentre. Toi aussi. Allez. Je t'apprendrai à spammer. Charlotte Hollin. Elle a quand même 1700 de puissance au niveau 0. Hein. Moi, je dis c'est pas rien, 1750 au niveau 1, je veux dire. Alors que Wart avait 800 ou 900 au niveau 1. Ah non, je crois qu'il avait 700. 700 ou 800 à peine. Donc, c'est même peut-être un plus puissant esprit. Voilà, on peut pas passer. C'est sympa hein, de me mettre des chemins où je peux pas passer. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Toi, je vais... Viens là. Mais si c'est pour gagner un esprit moche, je m'en bats les steaks. Je vais te fumer comme Jaja. Mais viens là. Oh, roi d'Adibou, là. D'Adidou ou d'Adibou. C'est pareil, Adibou. Adibou, roi d'Adidou. Ça finit tout par où? C'est comme les hiboux. Et tes casse-cou. Hein? Mais tu vas où? D'Adidou. Je vais jouer à Dibou. Mais t'es casse-cou. Purée. Eh, je vais t'en donner des coups. Tiens. Tiens, KO le roi de Didou. Don Bongo. Toi, t'es gros et t'es moche. On dirait un dinosaure obèse avec des boutons. Le glouton roi d'Adidou. Ah, c'est un glouton. Bon. Alors, le prochain. Ren. Oh, on est contre Liu. Liu de Street Fight. Et on est dans un match endurance. Donc, avec des PV. Et il a 150 et j'ai 100. Moi, je dis, c'est de la triche déjà. Ouais, pourquoi j'ai moins de PV? Eh, hey, je suis à 169, tu me touches plus, la vie de ma mère. Oh, il m'a touché. Oh, tu sais que je t'ai dit de plus me toucher. Ouh. Wouah, wouah, wouah. Eh, mais il va me niquer. Wouah, 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 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, cacao. Eh oui. C'est bon. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Waouh. Ah, il faisait mal et puis il avait quand même 50 PV de plus. Mine de rien, 50 PV, ça fait la diff. Hein. Ça fait la diff. Les plaines de go. Allez, le prochain c'est quoi? Oh, Marisson! Oh putain, il est bizarre.
Ah putain, je sens mal ce combat. Et on dirait qu'ils ont privilégié les attaques haut. Parce qu'ils sont en train de cut. Mais ils arrêtent pas de spammer. Putain. Arrête de spammer. Ah mais. Eh, c'est horrible comme ils spamment. Voilà, un de moins déjà. Deux de moins. Même pas. Putain, il a réussi à se rattraper. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Dégage. Il reste plus qu'un. Ah bah, il reste plus qu'un. Il y en a plus aucun. Bon bah, Marisson. Oh là là. Ça risque d'être Tandax fruit bonus. Bon bah allons-y. Et je vais tous vous défoncer autant que vous êtes. Ah, ils sont facilement éjectables. OK. Allez, venez, je vais vous faire votre cul. D'où il y a un timer? D'où il y a un timer? Quoi des... Déjà? Attends, il y a un timer de combien? 20 secondes? Oh sérieux? Ah mais il faut les éjecter rapidos en fait. Ah bah alors dégage. Voilà. Et dégage. Voilà, fallait le dire plus tôt. Ta mère, fruits bonus, je m'en bats les steaks. Manger 5 fruits et légumes par jour. Il y en a 8 sur l'image. 7 ou 8. Donc 5 et les... manger 5 fruits et légumes par jour, c'est du fake. Là-haut, par contre, il y a un coffre. Ah, la nuage. La brume s'enlève. 500 points d'esprit. Ok. Je sais pas à quoi ça sert pour le moment, mais on verra bien. Blaze the Cat. On est contre Darain. Darain fille. Parce qu'il y a Darain version mec aussi. Le sage est en feu. D'accord. Ok. Oh la musique elle déboîte. Oh la musique elle déboîte. Darain dégage. Mais pas ta poufiasse. Darain, je t'ai dit, casse-toi. C'est mon dernier mot. Allez, dégage. Blaze the Cat. Cracher du feu en continu. Ça peut être pas mal, mais c'est un soutien ou un primaire, j'ai cru. Ouais, c'est un soutien. Un soutien de niveau 2. Contribuer à une équipe forte face à un adversaire et une approche sage, mais vous gagnez davantage de récompenses si vous triomphez avec une équipe faible. Oh! Appuyez sur Y pour composer automatiquement une équipe d'esprit spécialement taillée pour le combat qui vous attend. Mais non, mais ça c'est pour les noobs. Depuis sur Y. C'est comme les noobs qui jouent avec Evoli à un moment toute l'aventure dans Pokémon Let's Go. Il n'y a plus aucun challenge. Ah, on va terminer cet épisode en débloquant le perso qui est à gauche. Bon, allez go, on s'en fout de la formation. On y va à l'arrache. On est des bonhommes. Ah, ça c'est Donkey Kong quand il aura vieilli. Allez, allez. Et en plus il saute haut. À cause de ça. Ah, pourquoi ça me fait ça la manette? Ta mère. Voilà. Dégage, toi dégage, dégage toi. Dégage. Mais t'arrases toi. Tiens, va dans le mur. Ouais, dégage. Lapin Donkey Kong. Bien, Wart est quand même niveau 53, il augmente bien. Bien, bien tout ça.
Allez, Pac-Man. Ok. Ok, bah on va voir le gameplay de Pac-Man parce que je ne connais pas son gameplay. D'accord. Oh putain. Ah, il a l'air d'être sympa Pac-Man mine de rien. Oh purée. Bon, la musique est bien mine de rien. Ah, je l'adore. Vas-y, va dessus, ça pique. Voilà, connard. Morfle pour ta putain de vie. Waouh. Eh, mais il a l'air d'être quand même sympa le Pac-Man, hein. Ah. Voilà. Allez. Dégage Pac-Man et on l'a débloqué. Pac-Man fait son entrée. Bien. Donc on sait où on pourra aussi jouer Pac-Man. Mais pour l'instant je vais garder Mars. Pour le moment. Donc déjà ça c'est cool. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que soit son bouclier s'affaiblit. Ou soit là il est en colère et il attaque. Et je sais pas ce que ça fait. Ah mais on a fait une petite partie de la map, hein, ça avance bien, hein. Mine de rien. C'est vachement cool. Bon, ben voilà les amis. Franchement ça, on a bien avancé. Là, il y a Soufifre, Sakura de Fire Emblem, Maître Belch. Je pense qu'on va continuer ce qu'il y avait à droite avant de continuer là-bas. Et on fera Kami Koopa, voilà. Bon les amis, en tout cas j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.